Merci pour votre fidélité à la télé du 21e siècle. Bienvenue dans l'émission Starcom. Vous savez, c'est l'émission qui se fixe comme objectif de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en Guinée en termes d'information et d'actualité. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous nous intéressons notamment à la corrélation en Guinée en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire et le respect notamment des libertés publiques. Il faut le dire que selon les dernières statistiques publiées par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, le samedi 2 mai 2020, 64 nouveaux cas confirmés au Covid-19 ont été enregistrés en Guinée suite à des tests effectués sur un groupe de personnes de 340 personnes. Le cumul à ces jours fait état de 1650 cas positifs au coronavirus. 32 malades ont été déclarés guéris à la date du samedi 2 mai, ce qui fait un bilan total de 437 guéris. Alors, face à la propagation fulgurante de l'épidémie du Covid-19 en Guinée, vous le savez que l'État a continué de durcir le ton jour après jour. Les restrictions de rassemblement et de déplacement des populations sont du tout de mise pour tenter d'enrayer la transmission de cette maladie. Est-ce que ces mesures que certains qualifient liberticides sont-elles prises dans un cadre parfaitement légal ou celui d'un droit exceptionnel? Quelle est la situation qui prévaut en Guinée en ce qui concerne le respect des droits humains en cette période de crise sanitaire? Ce sont, entre autres, questions que nous tenterons de répondre dans cette émission avec notre invité déjà qui est au bout de fil. On va partir sur le terrain rapidement pour rejoindre notamment monsieur Issiaga Sylla. Monsieur Sylla, monsieur Keita, j'allais dire, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom. Et bonjour, c'est pas M. Sylla, c'est Maître Issiaga Keita. Ah, Maître Issiaga Sylla, excusez-moi pour avoir notre... Keita, voilà, il y a eu quelques problèmes en ce qui concerne notamment votre nom chez moi ici sur le plateau, mais ce n'est que partie remise. Je rappelle qu'il s'agit bel et bien de Maître Issiaga Keita, avocat, enseignant, chercheur et activiste des droits de l'homme. Ça vous va? Ok. Alors, on commence cette émission par cette première question d'analyse. Alors, vous, en tant qu'activiste des droits de l'homme, quelle est l'analyse que vous faites notamment de la situation des droits de l'homme en Guinée en cette période de crise sanitaire? Ben, écoutez, comme je l'ai toujours dit à l'entente de la procédure, je n'interviens pas au nom du barreau de Guinée, je n'ai pas ce mandat. En tant qu'activiste des droits de l'homme, je suis personnellement intéressé par les questions de détention ou des questions de droits de l'homme en général. Et au regard de la situation actuellement, moi je voudrais personnellement déplorer certaines situations qui se passent. Notamment, il y a des décisions qui ont été prises relativement à la suspension des procédures judiciaires, des activités judiciaires en général. Et de l'autre côté, au regard des cas de décès liés au Covid qui ont été enregistrés à la maison d'arrêt de Conakry, et aujourd'hui, auprès des juridictions, systématiquement, les personnes sont placées sous mandat de dépôt, mais les audiences de flagrant délit ne se tiennent pas et les personnes ne peuvent pas être devant le juge d'instruction pour être entendues. Or, la loi impose qu'une personne soit jugée dans un délai raisonnable et que les règles de procédure soient respectées en matière de flagrant délit notamment. Et aujourd'hui, force est de constater que cela n'est pas respecté, c'est écœurant. Donc voilà comment brièvement la situation se présente relativement aux procédures de flagrant délit et les procédures concernées en matière d'instruction. Oui. En plus notamment de ces procédures, maître, il y a également ces constats par rapport notamment à des restrictions des libertés. On dit désormais, même dans le transport, c'est limité. Le marché se ferme notamment à des aires non habituelles. Et l'ensemble de ces restrictions-là, comment est-ce que vous voyez ces restrictions? Est-ce qu'on peut l'accepter parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle ou bien il s'agit là carrément de la violation des libertés publiques? Non. En situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Ce qui prévaut actuellement le profit tous. Je ne pourrais pas dire que des mesures qui ont été prises vont à l'encontre des droits de l'homme de facto, mais ce que je déplore, que les mesures d'accompagnement ne soient pas suffisantes au regard de la situation. Lorsqu'on prend
la restriction du nombre de passagers dans les véhicules, par exemple. Il n'y a pas eu une concertation pour répercuter ça sur le transport, par exemple. Lorsque vous prenez le prix du carburant qui a été revu, on a revu 1000 francs sur le prix du carburant. Donc j'espère que, et moi j'estime, qu'on aurait pu, par exemple, lorsque il y a un passager qui a été supprimé dans le véhicule, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 3 passagers, le véhicule ne prend que 2 maintenant par derrière, on pouvait répartir ce montant-là de 1500 entre les 3 passagers dans le véhicule, ce qui revient à 2000 francs par trajet. Mais aujourd'hui, par endroit, selon ce que j'ai appris, on paye jusqu'à 3000 francs par tronçon. Et aujourd'hui, vous regardez, par exemple, même quand vous avez des transactions dans les banques, c'est tout à fait un problème. Donc, c'est hyper compliqué actuellement. Je pense qu'on aurait pu inviter la population à s'investir et que le gouvernement aussi prenne des mesures qui sont réalisables. Lorsque vous regardez le plan de réponse, par exemple, du COVID, il y a des plans qui sont intenables, simplement surréalistes. Donc, je voudrais qu'on tienne compte des réalités et des questions de droit de l'homme, comme je viens de le dire, pour essayer de prendre des mesures d'accompagnement. Alors, pour une observation générale de la situation guinéenne, on va élargir désormais notre analyse. Il faut rappeler tout simplement que la venue du professeur Alpha Condé avait suscité beaucoup d'espoir parce qu'on estimait que c'était un professeur de droit qui devenait président. Aujourd'hui, à votre égard, quelle appréciation faites-vous notamment de la question des droits de l'homme sur le magistère d'Alpha Condé, parce qu'à la fois il y a un professeur, mais à la fois il y a des réalités qui prévaut sur le terrain qui ne vont pas dans le sens notamment de cet espoir. Donc il y a un contraste. Bon, j'avoue que c'est difficile de dissocier les questions de droits de l'homme des questions politiques. Parce que les questions des droits de l'homme dépendent essentiellement du régime en place. Alors, lorsque vous prenez sur un certain nombre de niveaux, vous direz oui que les questions de droits de l'homme ne sont pas totalement respectées. Mais dans tous les pays du monde, les questions de droits de l'homme sont à l'heure du jour, c'est un débat quotidien. Donc, vouloir faire un diagnostic, tout simplement pour dire que depuis l'avènement du régime de Alpha Condé, pour dire qu'il n'y a pas eu de respect de droits de l'homme, ou bien que les droits de l'homme sont respectés, ce serait quand même agir un peu trop. Mais en ce qui reste clair quand même, il y a certaines questions quand même qui interpellent tout le monde, ou les questions de droits de l'homme quand même en tout moment. Lorsque vous prenez le dossier comme le dossier du 26 septembre notamment, parce que nous avons intervenu dans ce dossier-là en tant qu'activiste, c'est un procès qui traîne et qui a du mal à se tenir. C'est vrai aussi. Et lorsque vous prenez tout à l'heure, comme je viens de le dire, les questions de mandat de dépôt, et les personnes ne sont pas jugées dans un délai normal, et je pense qu'aussi c'est grave. Donc tout ça, à faire le bilan sous l'angle pour dire, c'est vrai aussi que le président Alpha Condé a suscité beaucoup d'engouement ou beaucoup d'espoir à son arrivée au pouvoir. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a une partie de la population aussi qui n'est pas satisfaite. Et quand vous demandez à une autre partie, elle dira qu'elle est satisfaite. Mais en ce qui concerne la question des droits de l'homme, il y a quand même du chemin à faire. Alors, en tant qu'activiste des droits de l'homme, je précise, il faut dire quand même que l'autre débat en Guinée, c'est un peu les capacités d'action du ministère de la Justice qu'a désormais vis-à-vis du barreau. Alors, on estime que l'influence du ministère est tellement énorme que le pouvoir du barreau est limité et que les avocats semblent être presque réduits au silence. Alors, vous, à votre égard, je précise bien, en tant qu'activiste, comment est-ce que vous appréciez le rapport ministère et barreau? Est-ce que vous estimez que les avocats jouent pleinement leur rôle dans un État comme la Guinée sous l'ère du professeur Alpha Condé? Non, moi, je ne suis pas mandaté par le barreau de Guinée pour parler au nom du barreau de Guinée. Il y a les voix les plus autorisées pour parler des affaires du barreau de Guinée. J'interviens en tant qu'activiste, en tant qu'enseignant, chercheur, et qui est intéressé par les questions de droits de l'homme. Oui. Mais à dire maintenant que le barreau de Guinée est muselé ou autre, il revient au conseil de l'ordre ou au barreau de Guinée d'assumer ses responsabilités. Ce n'est pas de mon ressort. Mais ce qui reste clair, si j'allais intervenir en tant que membre du barreau ou quelque chose comme ça, peut-être que j'aurais déjà essayé d'avoir une autorisation de M. le bâtonnier. Mais ce qui n'est pas le cas.
dans ce cas de chef, j'interviens en tant qu'activiste des droits de l'homme. Et pour dire que le barreau de Guinée est muselé, je ne peux pas dire cela, parce que c'est une entité qui est organisée. Aujourd'hui, nous sommes constitués de toutes les couches sociales. Et lorsque vous regardez, il y a des opposants parmi nous, il y a des gens qui appartiennent au régime. On ne peut pas le dire parce que quand vous prenez l'agent judiciaire de l'État, c'est un avocat, il vient du barreau de Guinée. Lorsque vous prenez aujourd'hui, il y a un député qui vient d'être élu à l'Assemblée nationale, il fait partie de l'opposition. Donc vouloir dire qu'on va consigner ça pour parler de ça, moi personnellement je suis mal placé pour le dire. Mais tout ce qui reste clair, le barreau de Guinée, à ce que je sache, a pris des déclarations dans ce cadre, pour faire respecter les droits de l'homme notamment. Et vous pourrez vous rapprocher des voix de plus autorisées auprès du barreau de Guinée qui pourront vous donner plus de réponses ou plus de détails sur cette question. Alors maître, il y a également pour celui qui parle des questions de droits de l'homme, va faire forcément référence à ce double face de la Guinée. Nous avons d'un côté un pays qui a du cœur, notamment en ce qui concerne la ratification des traités, pourquoi pas voter des lois allant dans le sens notamment de la protection ou de la promotion des libertés publiques. Mais de l'autre côté, vous avez un État qui torpille tout ce qui concerne notamment la mise en pratique, l'application de ces lois et pourquoi pas les conventions dans le sens notamment du respect de ces droits de l'homme. Comment est-ce que vous, quelle est la lecture que vous portez sur ce double face de notre pays? J'avoue que j'ai du mal à vous entendre parce que vous savez déjà le décor qui est ambiant. Il y a trop d'ambiance dans le décor, mais j'ai du mal à vous entendre. Si vous pouvez être bref dans ce que vous dites, ça va me permettre de répondre. J'ai dit, quelle est l'appréciation que vous faites de la Guinée, un pays tantôt qui a de l'engagement ou a signé les traités et conventions, voté des lois en termes de promotion des libertés publiques, mais de l'autre côté, ce sont des lois qui ne sont jamais appliquées. Pardon, je ne sais pas, tu comprends. Je disais bien, maître. Quand vous regardez notre pays, par exemple, la Constitution, on a des lois qui font la promotion et la protection des libertés publiques, mais dans la réalité, ces lois-là ne sont jamais pratiquées sur le terrain ou respectées. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, vous parlez de quelle Constitution déjà? Parce qu'il y a une nouvelle Constitution qui est déjà entrée en vigueur. Bon, de la nouvelle, l'ancienne constitution de 2010. De toutes les façons, la Guinée reconnaît souverainement son caractère laïque et qui reconnaît aussi que la Guinée est un état de droit. Comme je le dis régulièrement, le droit ne s'octroie pas, ça s'acquiert. Donc lorsque vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, il vous appartient de faire respecter vos droits naturellement. Lorsque vous regardez, moi personnellement, je suis plus auprès de la Cour africaine des droits de l'homme en tant que conseil. Donc, il y a des instances extérieures ou des instances internationales qui peuvent être saisies pour faire respecter les questions des droits de l'homme. Donc, ce n'est pas de croiser les bras pour dire que les droits ne sont pas respectés, ne sont pas respectés. Et même lorsque vous regardez tout ce qui figure dans les constitutions, ce sont des combats qui ont amené ces résultats-là. Donc, on ne peut pas tout simplement s'asseoir sur les droits-là de séparation, sur les droits-là de séparation. Il y a quand même une avancée significative qu'il faut enregistrer, parce qu'aujourd'hui, on permet par endroit la présence d'un avocat pour assister son client, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, bien qu'il y a aussi du chemin à faire, parce que parfois même ces avocats-là aussi sont pris à partir par les agents de force. Je pense notamment les OPJ. Donc parfois, on a l'impression que la présence des avocats les irrite. Mais il faut faire avec, il faut oser, il faut aller, il ne faut pas se laisser faire. Voilà. Ça se fait au prix de beaucoup de souffrance. Parce que même les agents de force de l'ordre, quand ils sont interpellés, ils sont assistés par les avocats. Les plus grands politiciens du monde, quand ils ont des soucis, ils sont assistés par les avocats. Parce que l'avocat. C'est quelqu'un qui est là pour rendre un service. Tout le monde bien que ce soit quelqu'un de privé, mais c'est une mission de service public, naturellement. Nous voudrions bien continuer avec vous, maître, mais la qualité de l'appel ne nous arrange pas. Alors, on est obligé notamment de nous arrêter là. Mais avant, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci pour la confiance et merci d'avoir porté votre confiance à ma personne. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres numéros de Starcom et pourquoi pas d'enquête prévue notamment sur les questions des droits de l'homme en Guinée.